Donc me revoici, il est 13h d'après-midi, je vais m'arrêter pour aller manger. Donc on a plaqué ici. Vous doutez bien que il y aura du scotch spécial isolant. Voilà ce que ça donne. Là j'ai fait dépasser. Là. Là de ce côté là. On voit bien s'encastrer ici. Un contreplaqué qui sera la même épaisseur en 15 pour la cloison ici. Et on va se terminer là. Et voilà ce que ça fait. Je vais me mettre un peu plus loin. Donc on va essayer de terminer, enfin essayer, c'est même pas essayer, on va le faire. On va terminer les chutes qui restent là. Les montants, tout ça ici, et après on finit le plafond tout du long. Ce sera bien tendu et l'isolation sera terminée. Bien sûr, on fera le fond aussi. Le fond, je le fais en dernier. On verra bien. Donc, il me reste sur mes 4 rouleaux, il me reste logiquement. Ah, on verra bien. Que je compte parce que là il me reste celui-ci, je sais pas quelle longueur il me reste, ouais, il doit me rester à peu près 2 mètres là. 2 mètres plus un rouleau sur les 4. Donc le rouleau il fait combien déjà? 1 mètre. 1m50 sur 1m50 sur 10 mètres. Sachant que j'ai mis déjà au plafond une partie de d'ici jusque bah, presque la moitié. Hein. On va pas dire la moitié, mais presque. Si je décale, disons, au niveau de la porte. Ça fait quasiment tout le fond. Donc disons j'ai fini jusqu'à quasiment jusqu'ici. Il me reste de cette partie là jusqu'à là-bas pour finir. 5m80 environ. Je crois que c'est 5m80 qui me reste de là à là. De toute façon c'est pas dur. J'ai 3m20 plus 1,60, ça fait 4m80. 4m80, disons on arrondit à 5 mètres, ouais 5m50, 5m60 mince à faire. Donc disons 6 mètres en prenant une large, 6 mètres ça fait 1m50, ben logiquement j'ai assez. 4 rouleaux, ben, je vais vous dire ça si j'ai vraiment assez. Parce que, ben faut pas que j'oublie que j'ai le fond là-bas aussi. Pardon. Il me reste le fond à isoler. Et ça se trouve, il va peut-être me manquer juste le fond. Bon, on verra bien. J'ai encore de l'isolation que j'ai récupéré dans le fond là-bas. Vu comment j'ai isolé là, je remettrai 2-3 couches supplémentaires du multicouche que j'ai récupéré. Et ça sera super. Ça sera largement assez isolé. Allez, go. Je vous laisse, je vais y manger. Je vous emmène avec moi. Vous allez voir comment on se met à l'aise. Bah toi, tu te mets au soleil? Bon, allez, je vous laisse. Ciao.
Allez, de retour, il est presque 15h. À 10 minutes près. C'est parti. Objectif terminé, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure ou sur une autre vidéo, la vidéo précédente. Hop. Allez, on y go. Faut que ce soit terminé. Terminer ça et le plafond. Allez, en route. Mais à 2,60 m. Tu vois là. Il y a 2,60 m là? Non, le rang de vigne. Bah, je rehausse le truc. Devant. Oui. Putain, non, de Dieu. J'ai failli couper. Hop. Je repasse deux coups parce qu'avec l'OSB de merde, ça fait pas des coups de propre. On est obligé de bien enfoncer. Ça aurait été du contreplaqué. Un coup aurait suffi. Mais ça aurait été dommage d'abîmer du contreplaqué. Voilà.
y en a beaucoup qui vont dire ouais l'USB c'est pas de la merde, mais moi je vous dis que c'est de la merde. L'avantage qu'il y a avec l'USB, c'est quand vous faites des grandes pièces, mettons un sous-sol ou un truc comme ça, un cabanon, c'est quand même c'est moins cher que le papier. Et ça permet de réutiliser du bois recyclé. Parce que bah, forcément, hein, l'USB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du bois recyclé. Et tout ce qui est palette détruite et tout ça, c'est broyé, c'est mélangé avec de la colle et ça vous fait de l'USB.
là. On va trop bien. Allez. On fait le dernier morceau de l'autre côté. Avec moi. Hop. Voilà ce que ça fait. Du long. Bien sûr. Ça monte un peu. Hein. On a beau tendre, ça redescend un peu. C'est un poil plus tendu là. Ah, ça fait génial. Bienvenue sur le dans la station Mire. Ouais, allez. Je vous laisse. Ah ouais, ah bah oui, hein. Bah le boulot, c'est le boulot. Quoi? Quoi? Rien dans mon camion? Non. Non, la vidéo sera censurée. Oh. Allez. Thank you.
ça. Je peux brancher ça. Mets un peu avec toi. On finira par l'autre. Donc la dernière elle est ici, comme ça. Déjà, je la dernière rangée d'agrafes. Quoi? Donc j'utilise ça comme agrafe. Petit contre-jour. Hop. Thank you.
ça. Non, non, mais c'est juste pour voir. Hein. Ouais. On a assez pour. Venir, je vais m'en manquer pour ici, ici, là-bas. J'ai juste 5 cm qui manque. Donc je mettrai 20 cm pour que ce soit bien. Et là, ben juste le fond. Hein. Ouais. Allez, roule. J'ai pas oublié les batteries. Oui, je vais débrancher les batteries.
Donc les clés sont là. Hop. Et celle-là, est-ce qu'elle est indépendante de l'autre? Non. Oui. Je laisse, je ramasse, c'est bon. Sur ce. Ciao.